Ce projet de décret matérialise les actes du récent séminaire gouvernemental et fait suite à la volonté manifestée par le président de la République de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, le plan d'accélération de transformation par la mise en place d'une structure opérationnelle dont l'objectif est de suivre au plus près l'exécution de ce plan et de proposer toute recommandation liée à sa bonne exécution. Ainsi, l'objectif est d'accélérer l'économie nationale, le système social, de santé, d'éducation et améliorer les conditions de vie des citoyens au quotidien. Le Conseil national de coordination et de suivi du plan d'accélération de transformation est un service public chargé d'une mission temporaire rattachée à la présidence de la République et doté de l'autonomie technique, administrative et de gestion financière. À ce titre, il est notamment chargé de coordonner et de suivre l'exécution des projets et réformes issus du plan d'accélération de transformation et de transmettre régulièrement les informations de suivi nécessaires à la prise de décision au président de la République et au Premier ministre. En outre, le Conseil national de coordination et de suivi du plan d'accélération de transformation est composé d'un comité d'orientation stratégique, une plénière du Conseil, une cellule de projet économique, une cellule projet sociaux, une cellule projet catalyseur, une cellule communication et gestion du changement.